Comment réaliser un masque anti-âge maison? Comment réaliser un masque anti-âge maison? Marre d'utiliser des produits de beauté très chers, qui en plus ne sont pas naturels pour prendre soin de votre peau? On vous dévoile la recette pour réaliser en moins d'une minute un masque maison pour réduire les signes de l'âge. Si vous êtes nouveau, abonnez-toi, oui abonnez-toi, car cet acte va te permettre d'avoir plus de vidéos. Autre chose, nous sommes nombreux qui dépensons énormément d'argent pour le produit très cher en vue de rejeunir la peau ou avoir un visage jeune. Jour après jour, vous voyez des petites ridules apparaître sur votre visage et vous ne savez comment lutter contre cela. Pas de panique, nous avons la solution. En effet, rien de mieux qu'une préparation naturelle pour ralentir les effets du vieillissement. La bonne nouvelle est que la plupart des aliments nécessaires à la réalisation d'un masque maison pour réduire vos pattes d'oie ou votre ride du lion se trouvent dans votre cuisine. Si possible, mesdames et messieurs, c'est possible. Si on a tendance à croire que seules les crèmes et les soins hors de prix peuvent aider à ralentir le vieillissement cutané, c'est faux. Composés de nombreux éléments chimiques, ils ne sont pas forcément bons pour votre peau, et sont bien souvent des produits uniquement marketing aux promesses aguicheuses. Le masque que nous vous proposons ici ne vous coûtera que 1,08€, voire 650 CFA. Rien que ça. Prévoyez simplement quelques minutes de votre emploi du temps pour réaliser un masque pour redonner un brin de jeunesse à votre visage. Matériel nécessaire pour réaliser la recette de masque anti-âge maison. 2 cuillères à café d'huile d'olive. Le jus d'un demi citron. Le blanc d'un œil fallait d'un fouet. Un bol. Le citron est principalement composé d'eau et de vitamines. Très peu sucré. 3,1 g de glucides /100 g. Contre 8 à 10 g pour la plupart des autres fruits, il contient 51 mg/100 g de vitamine C, ce qui le place parmi les fruits les mieux dotés en la matière. À titre de comparaison, nos besoins en vitamine C sont de 110 mg/jour en moyenne. Et cette richesse en vitamine C tombe bien, car cette dernière cumule de nombreuses vertus, c'est un puissant antioxydant, idéal pour lutter contre les différents processus de vieillissement. Également anti-fatigue, elle renforce les défenses immunitaires et nous protège des virus et microbes de l'hiver en cure. Détoxifiante, elle piège les métaux lourds et favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux. Enfin, elle a des propriétés cicatrisantes. Le citron est également riche en minéraux. Le citron renferme une grande quantité de potassium, ce qui explique pourquoi, malgré sa saveur acide, il n'est pas acidifiant, mais alcalinisant. Il contient également du calcium, ainsi que du fer, d'autant mieux assimilé, car associé à la vitamine C enfin, son acide citrique, 5 g/100 g, aide à digérer, combat les fermentations intestinales, participe à la prévention des calculs rénaux et possède une action diurétique. Citron, comment bien le choisir pour profiter de ses bienfaits? Les citrons cultivés de façon traditionnelle sont traités avec des pesticides, pendant leur culture et après leur récolte. Ces pesticides sont des cancérogènes potentiels et s'avèrent toxiques pour la santé. Alors, si vous misez sur le citron pour aller mieux, choisissez le bio. A fortiori si vous utilisez l'écorce, qui concentre tous les résidus chimiques. Riche en antioxydants, l'huile d'olive protège et nourrit les peaux matures et desséchées, mais elle convient aussi à tous les types de peau. On l'aime aussi pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Qu'est-ce que l'huile d'olive? Ses propriétés? Elle est plébiscitée en cuisine grâce au régime méditerranéen, mais l'huile d'olive présente aussi de nombreuses propriétés cosmétiques. Elle est fabriquée par première pression à froid de la chair du fruit de l'olivier, qui a été le premier arbre connu dans l'histoire de l'humanité. Déjà dans l'Antiquité, les femmes l'utilisaient pour avoir un teint parfait. Évidemment riche en acides gras, l'huile d'olive contient notamment plus de 60% d'acide oléique, qui est un oméga 9. Elle contient également de l'acide linoléique, un oméga 6 indispensable à la santé de la peau et des cheveux, et de l'acide palmitique, protecteur de la barrière cutanée. Cette huile vous apporte aussi des antioxydants, vitamine E, squalène et composés phénoliques, ainsi que des phytostérols, qui calment les inflammations et favorisent la régénération des cellules. C'est bien fait. Avec tout cela, rien d'étonnant à ce que l'huile d'olive soit l'une des huiles indispensables de la beauté au naturel, pour la peau comme pour les cheveux. Elle est à la fois nourrissante, émolliente, calmante et antioxydante. Cerise sur le gâteau, l'huile d'olive convient à tous les types de peau, y compris les plus sensibles.
Vous pouvez même l'utiliser sur celle de votre bébé. Elle est cependant particulièrement appréciée des peaux sèches ou irritées. Les cheveux ternes, colorés, et les cuirs chevelus irrités apprécieront également l'huile d'olive, qui peut tout autant nourrir et renforcer les ongles cassants. Bienfait de l'huile d'olive pour la peau. Conseil d'utilisation. Que vous ayez la peau sèche ou déshydratée, des rides à atténuer, ou des problèmes cutanés comme le psoriasis, ou simplement envie de tonifier votre peau, adoptez l'huile d'olive. Elle s'applique pure, mélangée avec d'autres huiles essentielles, ou en masque hydratant, par exemple avec un jaune d'œuf et un peu de miel. Vous pouvez également l'utiliser en démaquillant, sur un visage nettoyé, avec un coton et pourquoi pas une eau florale, massée avec quelques gouttes sur un coup de soleil. Elle est apaisante, vous en servir de baume à lèvres, etc. 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans l'eau de votre bain vous permettront d'en sortir avec une peau nettement plus douce. Un conseil, si vous utilisez l'huile d'olive en anti-rides ou pour tonifier votre peau, passez-la quelques minutes au frais avant de l'appliquer pure. Synergie. Pour hydrater la peau, poudre de miel. Pour aider à la cicatrisation, huile essentielle de lavande. Bienfait de l'huile d'olive pour les cheveux. Conseil d'utilisation. En bain d'huile, appliquez sur toute la chevelure, puis insérez dans une serviette chaude ou du film alimentaire, pendant au moins une heure. L'huile d'olive a de nombreux effets bénéfiques. Elle nourrit et redonne de la brillance aux cheveux secs ou ternes, prolonge votre coloration. En massant votre cuir chevelu, vous allez en calmer les irritations. Ce bain capillaire peut être effectué une fois par semaine, et si l'huile d'olive demande bien sûr à être rincée, ne faites un shampoing que le lendemain. Synergie. Pour des cheveux brillants, huiles essentielles de lemon grasse et de romarin. En soin des cheveux blonds, hydrolat de camomille allemande, huile végétale de camomille, poudre de curcuma. Bienfait de l'huile d'olive pour les ongles. Conseil d'utilisation. Tout comme pour les cheveux, l'huile d'olive nourrit et renforce les ongles. À utiliser, donc, si vous avez des ongles cassants, trempez-les dans de l'huile pendant 5 minutes, profitez-en pour nourrir vos mains et faites ensuite tranquillement votre manucure. Synergie. En soin des ongles, huile essentielle de citron, jus de citron biologique. Comment choisir l'huile d'olive ? Il est indispensable de choisir une huile d'olive vierge, de première pression à froid, 100% pure et naturelle, ainsi que biologique. Où acheter de l'huile d'olive ? On la trouve un peu partout, y compris dans les supermarchés, lisez attentivement les étiquettes. Mais aussi dans les magasins biologiques et sur Internet. 3 recettes beauté maison avec l'huile d'olive. Huile de beauté nourrissante. Pour les peaux sèches. Préparez une huile avec 50 ml d'huile d'olive, 50 ml d'huile d'avocat, 60 gouttes d'huile essentielle géranium et 9 gouttes de vitamine E. Recette de XFOLENT. Pour une peau toute douce, mélangez 100 ml d'huile d'olive avec une cuillère à café de poudre de noyau d'olive et 70 gouttes d'huile essentielle de ciste. Appliquez sur la peau, massez et rincez abondamment. Masque capillaire. Pour tous les types de cheveux, mélangez 200 ml d'huile d'olive avec 5 cl d'huile de jojoba, ajoutez 20 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, la même quantité d'huile essentielle de théâtrée et de serpolet, et enfin 5 gouttes d'huile essentielle de santal blanc. Appliquez sur le cuir chevelu et les cheveux, massez pendant quelques minutes, puis entourez votre chevelure avec une serviette chaude et laissez agir, si possible, toute la nuit. Le lendemain, rincez abondamment et faites un shampoing. Risque, précaution et contre-indication de l'huile d'olive. L'utilisation de l'huile d'olive en cosmétique ne présente pas de risque particulier, à condition bien sûr d'en avoir vérifié la qualité. Il est toutefois déconseillé d'en faire une utilisation quotidienne. Mode de conservation. L'huile d'olive étant une huile stable, il suffit de la conserver dans son flacon d'origine, teint, au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. De nombreuses personnes craignent de consommer des œufs en raison de leur haute teneur en cholestérol, mais des études révèlent que l'œuf est très riche en nutriments et joue un grand rôle contre la dégénérescence des cellules. Seul le jaune d'œuf contient du cholestérol, tandis que le blanc d'œuf ne possède que des vertus pour la santé et pour la peau. Apport nutritionnel du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est très riche en protéines et contient d'autres éléments nutritifs tels que les acides aminés. Les protéines présentes dans le blanc d'œuf sont complètes, de meilleure qualité et conseillées aux personnes suivant un régime. Les acides aminés ramifiés, plus connus sous le nom de BCAA, sont composés de la valine, la leucine et l'isoleucine qui sont les blocs bâtisseurs du tissu musculaire.
Ce sont des acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer, il est donc indispensable de les consommer par le biais de l'alimentation ou à l'aide de compléments alimentaires. C'est un aliment conseillé pour les sportifs en raison de son exceptionnelle qualité de protéines, mais également en regard à son faible taux de cholestérol et à sa faible teneur en calories. Le cholestérol présent dans l'œuf est concentré dans le jaune, le blanc d'œuf lui, de son côté, n'en contient pas. De plus, c'est également dans le jaune que se concentrent les 71 calories présentes dans un œuf. La consommation du blanc d'œuf est donc sans risque de prise de calories et / ou de cholestérol. Le blanc d'œuf pour les soins de la peau. Le blanc d'œuf est un produit naturel très plébiscité dans l'esthétique. Comme bienfait du blanc d'œuf sur le visage, il permet de réduire les rides, les comédons, l'acné ainsi que de resserrer la peau du visage. Il agit donc comme un véritable anti-âge naturel. Utiliser le blanc d'œuf contre les rides est beaucoup plus abordable financièrement que les lotions, crèmes et autres traitements chimiques en tout genre combinés à d'autres ingrédients. Le masque blanc d'œuf permet de réduire les lignes d'expression autour des yeux et au coin des lèvres. Pour avoir une peau du visage sans rides, il suffit de faire un masque à base de blanc d'œuf, de miel et / ou de citron. Il suffit de mélanger ces ingrédients dans un bol, de remuer un peu et d'appliquer le mélange sur le visage. 10 minutes après, on peut rincer et observer les résultats spectaculaires. Le blanc d'œuf sert aussi à hydrater le visage. En effet, mélangé avec du miel et de l'huile d'olive, on peut obtenir un masque visage blanc d'œuf et miel à appliquer la nuit avant d'aller dormir. Pour faire effet, il faut l'appliquer sur le cou et sur le visage, en effectuant des mouvements circulaires. Il est important de laisser agir pendant 10 minutes avant de se laver le visage avec de l'eau tiède. Le blanc d'œuf permet également de réduire les poches sous les yeux. Un autre bienfait du blanc d'œuf sur le visage est de le rendre plus jeune et opaque. On peut également traiter l'acné du visage grâce à cet ingrédient. Avec un masque blanc d'œuf, on peut en effet neutraliser les impuretés de la peau. L'avantage avec ce masque est qu'il rend la peau plus ferme et qu'il la graisse moins que les produits chimiques de beauté. Le blanc d'œuf améliore également la santé des paupières en réduisant leur affaiblissement. Le blanc d'œuf est donc un aliment nutritif faible en cholestérol, calories riches en protéines. C'est aussi un bon ingrédient pour les soins de beauté dont il ne faut pas hésiter à se servir pour sa forme ou son apparence physique. Étape de réalisation de la recette de masque anti-âge maison. Séparez le blanc du jaune d'un œuf. Placez le blanc dans un bol. Battez le blanc en neige. Ajoutez cuillère à café d'huile d'olive. Ajoutez le jus d'un demi-citron. Mélangez l'ensemble. Voilà, votre masque anti-âge est prêt. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur la peau à l'aide d'un coton imbibé. Laissez ensuite poser le masque une quinzaine de minutes sur votre peau. Vous ressentez un effet asséchant sur votre peau? Pas de panique, c'est normal. Cet effet est provoqué par le blanc d'œuf qui apporte un effet tenseur à la peau. Une fois séché sur votre peau, rincez votre masque à l'eau claire, puis venez hydrater généreusement votre peau. En 5 minutes, et pour 6,5 fois moins cher que dans le commerce, et des dizaines de fois moins onéreux qu'un soin disponible en parfumerie, vous avez créé votre propre masque anti-âge. Le blanc d'œuf pour ralentir les signes de l'âge. Le blanc d'œuf possède un effet tenseur qui permet de ralentir les premiers signes de l'âge. Grâce à ses vertus hydratantes et antibactériennes, il offre un pouvoir purifiant et apaisant à la peau tout en le nettoyant des impuretés. Un masque au blanc d'œuf vous garantit un effet bonne mine immédiat. L'huile d'olive pour ralentir les signes de l'âge. Grâce à sa forte teneur en vitamine A, vitamine E et acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive est excellente pour la peau et permet de réduire le vieillissement. Le citron pour ralentir les signes de l'âge. Les bienfaits du citron sur la peau sont incontestables. Il est un fruit riche en acide citrique et en vitamine C, ce qui lui donne des vertus antiseptiques et anti-taches. De nombreux cosmétiques et recettes de masques maison en contiennent notamment pour lutter contre la peau grasse ou les rides. Mais n'oubliez pas que comme pour tout soin naturel, une application régulière est nécessaire pour percevoir les bienfaits du masque. Les opinions exprimées par l'auteur de cet article ne sont pas celles de Prenews.